Salut YouTube, c'est le troisième épisode de Dying Light, mais oui, sur Da Funky TV, bienvenue à vous. Bon, alors vous vous rappelez les deux épisodes précédents, nous avons fini le prologue, nous avons choisi de continuer après le prologue en solo pour l'instant. On jouera peut-être en multi avec Captain Morito, mon pal, un de ces quatre, mais pour l'instant on continue en solo après le prologue. Et donc là, on a un problème de coupure de courant. Tableau des primes. Ah, j'ai pas vu ça, tableau des primes. Défi en catimini Vergadi. Non, mais on va suivre. Pour l'instant, on va suivre. On va suivre la zone sécurisée. D'accord. On va suivre l'histoire principale hein, pour ces épisodes. Donc, on est parti. Allez, go. Il faut qu'on aille mettre le courant. C'est le troisième épisode. Écoutez, j'accroche plutôt bien à ce jeu pour l'instant, je dois dire. Je prends pas mal de plaisir à me balader comme ça là. Au début je pensais que le côté un peu parcours ça allait pas forcément. Ah, attendez, parce que là il faut que je me concentre. Comment ça marche déjà? Faire tourner. Et Q. Ok. Hein, hop. Donc c'est là à peu près. Hein. Non. Yes, j'ai eu. Au début le parcours, je trouvais ça un petit peu, le parcours, le fait de courir et sauter partout, là je trouvais ça un peu moyen. Et puis finalement, je me retrouve à avoir envie de... Coup de latte, hop, je me retrouve à avoir envie de courir et de sauter tout le temps, donc c'est que ça fonctionne plutôt bien. Donc ça c'est chouette. J'avoue que c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien fait. En plus il y a... On sent bien l'effort quand il s'accroche. Alors les coups sur les zombies, c'est d'un jouissif. On sent bien l'effort quand il s'accroche, le choc quand il tape. En fait, globalement, je trouve que sur le jeu, ils sont arrivés à faire quelque chose de... Qu'est-ce que je fous là ? Ils sont arrivés à faire quelque chose de très bien avec les impacts. Que ce soit les impacts quand on tape un zombie, que les impacts quand on s'accroche à quelque chose ou qu'on tombe comme là, vous voyez. On sent vraiment le choc, quoi. C'est super bien fait, quand même. Voilà. Donc je prends du plaisir, donc je continue. Donc, vous avez des épisodes supplémentaires. En sachant que quand vous allez voir ces épisodes, ça fera déjà un petit moment que je joue. Parce que, comme j'étais pas sûr d'accrocher au jeu, bah, j'ai attendu d'avoir plusieurs épisodes avant de mettre... Mince. Avant de mettre le premier en ligne. Pour pas vous commencer une série que... Oh, il y a un stade, là-bas. Pour pas vous commencer une série que je ne continuerai pas, quoi. Voilà. Il serait un petit peu inutile. Donc là, nous sommes à la tour, notre QG. Nous connaissons un petit peu le trajet. Il faut qu'on aille... Alors, il faut qu'on aille où? Ah, regardez, il y a des flèches, là. Pff, putain. Par contre, je suis trop... Voilà. Par contre, je suis beaucoup trop ambitieux, quoi. C'est terrible. Donc, où est... La coupure de courant, est-ce qu'elle est dans la zone sécurisée ou pas? Oui, elle est dans la zone sécurisée. Ok, on y va, c'est là. Hop là. Ah, mais faut que je parle à Spike en fait. Parler à Spike, ok. Crane, je voulais te féliciter pour ce que tu as fait. Maintenant, si t'as besoin de quelque chose, viens me voir. Et pour commencer, voilà une lampe UV et une télécommande. Si tu croises un rapace, tu lui bronzes la tronche. Où tu l'entraînes dans un piège, que tu déclenches avec la télécommande. Voilà, trop compliqué. Parfait. Rien compris. Bon, venons-en au fait. Ouais. Malgré tes efforts, la mission de Brecon s'est soldée par un échec. Bah super. Merde, il va bien? Il est toujours en vie. Mais on s'en fout. Tu devrais retourner à la tour. Jade a rappelé tous les éclaireurs, et ça veut dire toi aussi. Bon, ok, ils ont fail. Alors par contre, j'ai... parle pas de mon assiette, s'il te plaît. J'ai rien compris à ce qu'il a dit. Hein, sur le, il m'a filé une sorte de lampe de poche avec je sais pas quoi. J'ai compris que dalle. Alors j'ai des points de compétence, me disent-ils. Oui. Oh mais j'ai plein de points. Alors en agilité, on a des points. Afficher l'arbre de compétences. Hop. Agilité vous permet de semer vos adversaires. Grimper, sauter, réaliser des figures. Le traceur, utiliser les compétences. Ok. Bon, j'ai pas trop le choix, hein. C'est ça. Ça, c'est quoi? Esquive les attaques en sautant en arrière ou sur le côté. Esquivez les attaques en sautant en arrière sur le côté. Déplacez-vous dans la direction souhaitée et appuyez sur espace pour exécuter cette action. Cosa, quoi. Ok.
Bien sûr, j'achète la compétence, je n'ai pas le choix, pour l'instant. Ok. Donc on va essayer tout de suite, tiens. Donc il faut que je fasse ça. Ah oui! Ok, ça ne marche que sur les côtés. Ok, très bien. Ensuite. Puissance. Voyons voir. Puissance permet de faire face à vos adversaires pour gagner en force, combattre, innover en tuant vos ennemis et utiliser les compétences de l'arbre de puissance. Ok, très bien. Le premier truc que tu me donnes, c'est quoi? Apprenez à attaquer avec une grande précision. Chaque coup porté avec une arme contondante à la tête d'un ennemi a une chance de l'étourdir. Ouais, mais bien sûr. Ok, on prend. Et donc là, on a un nouveau point. Ce qui veut dire qu'on va peut-être avoir un choix. Voilà. Entre eux, apprenez à mieux utiliser la place dans votre sac à dos, gagnez 4 nouveaux emplacements pour transporter des armes. Ouais. Utilisez des plantes pour créer des boosters qui vous permettront de combattre sans vous fatiguer, courir plus vite, mieux voir la nuit, mieux résister aux attaques. Ouais. Ça, ça a l'air assez OP quand même. En même temps, des plantes, j'en ai jamais trouvé. L'inventaire est tout petit. Oh, je sais pas. Oh, je sais pas. Là, je serai en live sur Twitch, vous voyez, je dirai à mon chat, bon, allez, choisissez, tu vois. Mais là, sur YouTube, on est seul. On est seul. Seul face à ses décisions, seul face à ses responsabilités, seul face à son destin. Moi, je suis un gros looter, donc je vais prendre l'inventaire. Voilà. Ok, nickel. Attendez, je vais fermer. Hop. Ok, donc il faut qu'on aille. Faites un rapport au chef du Greuze. Sur votre rencontre avec le chef de la tour. Ok, la tour est là-bas. De quoi je suis équipé là? C'est... clé à griffe. Combien ça? C'est 30? Ouais, c'est comme celle-là là. Ça c'est 31. Ah, alors attendez. Ça c'est moyennement bien fait, on va dire. Ok. Le tuyau simple, il est à 31 aussi, donc on va le mettre ici. Ça c'est à combien? C'est à 206 la barre lourde. Oh, 39, 32, 31. Enfin, ouais, 31. Et du coup, 30 qu'on met ici. Voilà. Comme ça, on les a de la plus puissante à la moins puissante. Et du coup, les armes, c'était quoi? C'est tab, je crois. Comment on change d'arme, déjà? Ouais. Comment on change... Ça, j'ai pas encore compris comment on changeait d'arme. Sélectionner. Démonter, déposer. Bon. Ah non, mais je l'ai enlevé de l'équipement. Ok, je viens de comprendre. Équiper, c'est ici. Oh, mon dieu, mais qu'il est... Mais qu'il est bête. Ok. Voilà, ok, d'accord. J'ai compris. Non, je veux pas celui-là. Pas celui-là. Je veux pas celui-là. Je veux celui-là. faut que je trouve un zombie... voilà. Un petit peu isolé. Pour tester cette arme. Je pense qu'elle va être lente en fait. Y a pas un zombie qui traîne? J'aimerais bien tester mon arme. Voilà, lui là. Viens voir toi, je veux tester mon arme. Ah ouais, par contre ça me bouffe mon endurance direct quoi. Ouais, c'est un peu bourrin. Hein. On va passer sur le tuyau. Ça c'est efficace mais ça mange tout le... Et salut. Ouais, point de compétence. Encore. Oh mais yes. Alors c'est quoi mon choix maintenant? Alors ça c'est quoi? Utiliser l'attaque des ennemis pour propulser au loin. Quand un ennemi charge, appuyez sur Alt. Ouais, pointer en direction pour exécuter cette action. D'accord. Faites une glissade en courant, cela permet de passer à travers des trous dans les murs et autres passages bas. Ah ça me plaît ça. Ça je le cherchais tout à l'heure. Ça pour faire du parcours. Comme ça là, tac tac. Glissade. Pourquoi il veut pas? Ah mais peut-être parce que je suis dans la tour. Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi le scanner déjà? Oui c'est ça. Viens à toi, je vais te faire un bon prix. Qu'est-ce que tu fais toi? Ah tu vends des trucs contre de l'argent. Oh, mais tu es cher. Tu es cher mon ami. Sache-le. Tu es dans la chéritude. Ça fait déjà 3 mois. Alors il faut que je trouve... Toi,
Ok, toi c'est... Ouais, toi c'est le lourd là. Le lourd de l'épisode précédent, rappelez-vous. C'est de pire en pire. Allez, on prend l'ascenseur. On va voir le chef, on va voir le réfet. N'oubliez pas que nous sommes des espions. Nous espionnons, tout à fait. J'ai terminé mon travail pour Spike. Se voir. Tais-toi. Juste tais-toi, en fait. Juste tais-toi. Ok. Vous pouvez fabriquer un nouvel objet. Voilà. Oui, tout ça, je sais. Échine rouillée, il me faut une... Faire des crochets, des pétards, je peux faire du cocktail Molotov. D'accord. Des fusées éclairantes. Ah non, je peux pas. D'accord. Et des shurikens. Des shurikens. Faites un rapport. Pourquoi il me redit ici? Ou j'en monte encore? Non, mais je vais... Attendez. Les headquarters, c'est là, non? Non, mais c'est pas là. Hein. Oh, le truc, c'est vide maintenant, tu sais. Ah, peut-être que j'ai raté des trucs ici. Ah, j'ai raté des trucs ici. La statue, la figurine de zombie. Ok. Pour consulter les objets ramassables et la longue inventaire du menu, appuyez sur F. Ok. Donc quoi, faut que je monte, c'est ça? Non, c'est en bas. Ok. Alors, il m'a dit que j'avais une nouvelle tenue dans mon... Dans ma planque. Ma planque, elle est... Ici, me semble. Là, là et là, voilà. J'ai une nouvelle tenue, donc. Ah, j'ai athlète. Abyssal. Nouveaux habits. Clown sinistre. Au secours. Colossal kiwi outfit. Intimidateur. Spectre livide. Superstar. Oh, ça c'est bon ça. Torero, usurier, verre à bois, écorché, verre à bois. Ah oui, le bûcheron, c'est classe. Urban Explorer Outfit. Ah, mais ça, c'est ce que j'ai. Spécial agent, oui, ça, c'est ce que j'ai. American. Ah, faites voir, il y a un français. Ouais, bon, c'est ridicule. Ok. Tiens, c'est pour Asgard, ça. Non, mais lol, le masque qu'ils ont fait. Le français, il a un masque. Ah oui. Non, non, mais j'ai bien aimé... Spectre livide. Superstar, c'est rigolo. Hein. Torero, au secours. Le bûcheron, c'est chouette. Écorché, c'est pas mal. Chouchou de Bozak. Ninja outfit. Non, on va partir sur... Spectre livide pour l'instant. Pas mal. Ça a de la gueule. Qui sert strictement à rien parce que je me vois jamais. Hein. Ok, donc ils me disent que c'est encore l'ascenseur. En fait, me dites pas que pour si je dois faire deux étages avec l'ascenseur, faut que je le déclenche deux fois. Non, je veux pas descendre. Pourquoi il me dit que c'est là? Il y a quand même un problème de repérage dans ce jeu. Hein. Je passe mon temps à. Chut, tais-toi. J'espère en avoir fait suffisamment. Je me perds tout le temps. C'est alors, je suis peut-être pas très doué. Non. C'est de pire en pire. Ok, je suis pas doué. Pas s'en sortir. Viens à toi. Mais il est où quoi? Il me dit que c'est... Faites un rapport au chef du gérant. Mais il est où? Il est où? Ça me stresse. D'accord. Il est pas dans la tour en fait. Ok. Ah mais oui, le GRE, je suis bête, c'est les autres. Ici Crane. Ouais, c'est le chef des espions. Possible réunion avec le chef de la tour sous peu. Bien reçu. Confirmez son identité et contactez-nous immédiatement. Enfin, tout ça pour ça. On est bien d'accord. Hein. Donc là maintenant faut que j'aille... Je vais vérifier à chaque fois maintenant parce que... Ok, faut que j'aille dans la tour. Ok, let's go. Pourquoi il m'a pas remis mon arme favorite? Voilà. Alors là il faut que je fasse quoi? J'aille ici.
Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors il est à 9 mètres, 8 mètres, 7 mètres, 4 mètres, 3 mètres. En ascenseur et monter. Ok. En fait j'avais anticipé d'une étape quoi. J'avais anticipé d'une étape. Ok, très bien, je suis... Je suis trop en avance sur ce jeu en fait. La mission de Bricken n'a rien donné. J'ai hâte d'organiser une réunion dans la tour. Tu dois dire rien, dis rien. Ah bah tiens, t'as pas bougé depuis tout à l'heure. Alors faites équipe avec Bricken dans la tour, carrément on va faire équipe quoi. Non mais c'est ça, j'étais allé au bon endroit mais trop tôt. Vous voyez comme quoi. Rain. Oh. Écoute, Bricken et ses traceurs sont partis chercher une livraison la nuit dernière. Tous les autres ont été attrapés par les mordeurs, et les hommes de Rice ont piégé Bricken, l'ont tabassé et lui ont volé ce qu'il avait récupéré. Il veut aller lui-même chercher la prochaine livraison. C'est hors de question. Et j'ai besoin que tu me soutiennes. Compris ? Elle a une drôle de tête, hein. Enfin, tu tiens à peine debout. C'est vivant qu'on a besoin de toi, imbécile. Bon, on y va. Et l'air sûr de toi. Mais la porte est ouverte de l'autre côté. Oh, d'accord. Salut, Bricken. Léna ? Ah, c'est qu'il vous écoutera, vous. Ouais, calme-toi, madame qui a pas de menton. Salut, Jade. C'est qui, ton ami ? Kyle Crane. Écoute, Bricken. Il ne faut surtout pas que tu retournes là-dehors. On va trouver un autre moyen. Elle aussi, sans risquer ta peau. C'est pas très bien doublé, hein, n'est-ce pas, Crane ? C'est bon, je vais m'en charger. Voilà, super. Crane peut y aller. Ça lui fait plaisir. Ouh, il est pas content. Le maillot jaune n'est pas content. Sans rire. Le prends pas mal, mais tu débutes. Tu peux pas. Crane se débrouillera. Il sera au bon endroit. Bien sûr. Elena a raison. Tu dois rester ici pour veiller sur la tour. Pour les convaincre que le monde n'est pas encore fichu. Mais oui. Le maillot jaune du tour, c'est important. Bon, peut-être un essai avant d'aller voir Rice. Bon, ok, entendu. Bon. Check. Covid, mec. Ouais, je peux pas. Bonne chance, Crane. Bon, ça va, il a pas été difficile à convaincre. T'as une minute ? Bien sûr. Rends-toi au chaudron, je te contacte très vite. Ça roule. Bon, bah, le doublage, c'est pas que... Y a pas que pour nous que c'est un problème. Bon. Ah. Il y a autre chose dont on doit parler. D'accord. Bricken a une méchante blessure. Ouais. Et c'est pire que ce qu'il veut nous laisser croire. D'accord. Il a pris un coup à la tête. Ouais. Et maintenant, il se met à avoir des crises. Oh mon dieu. Et moi, je n'ai plus de l'Oratrax. Plus personne doit en avoir. Ouais, les anti-épileptiques se vendaient comme des petits pains quand l'infection a commencé. Non, oh, la bouche, que c'est la fait. Les magasins sont vides depuis un bail. Ouais, regardez sa bouche, pas trop tard. Comment est-ce que tu sais tout ça? Que veux-tu que je fasse, Léna? Il y a un homme en ville qui s'appelle Gazi. Il n'est pas vraiment dans ce monde, si tu vois ce que je veux dire. Il est chez père, quoi. Alors, il allait chercher ses médicaments tous les mois. Elle est morte, il y a 2 ans. Mais Gazi a continué de passer au magasin pour son ordonnance. Sa bouche ne bouge il pas, a ses on habitudes. Sait trop. Et il peut être... assez insistant, c'est le problème. D'accord. Alors, ils ont continué à lui en donner. Tu crois qu'il les a accumulés pendant tout ce temps? S'il ne l'a pas fait, je ne sais pas où nous pourrons en trouver ailleurs. Aux dernières nouvelles, Gazi habite sous le pont routier. Ouais, vas-y. Il ne lui parle pas de la mort de sa mère. D'accord. Ce n'est pas sûr qu'il le comprenne. Ok. Et les phases de dialogue, c'est compliqué quand même, parce que la bouche n'est pas synchronisée. Nouvelle entrée. Bah vas-y, on va faire ça. Ouais. On va faire une... Ah, c'est donc une quête secondaire que nous avons en face de nous. Si on vérifiait sur la map. Ok, faut que j'aille où? Plus haut, d'accord. Ouais, donc les phases de dialogue, c'est quand même pas le plus agréable parce que... Ah, mais ça, c'est chez moi, c'est ça? Qu'est-ce que c'est, ça? Maintenir. La Horde de Bozak, une compétition de Bourgogne, tu vois. Ah, ok. C'est là la Horde de Bozak. Ouais, les phases de dialogue, c'est pas le plus agréable parce que, comme les doublages sont quand même pas top, plus la synchronisation avec la bouche est pas top non plus, que leurs visages sont pas top. Ça, j'avoue que autant le reste est cool, autant les parties cinématiques dialogue, c'est un peu rude, hein. Donc là, on fait une quête secondaire, a priori. Et la quête principale, c'était d'aller au chaudron. Chaudron de Saint-Étienne. Peut-être le stade qu'on a vu tout à l'heure. Wouhou ! On court tout le temps, c'est une catastrophe. Où allons-nous ? Waouh, mais c'est tellement loin !
Ah bah on va activer les deux zones sécurisées en passant. Ouais, j'ai passé un marqueur. Parce que ça va mieux avec des marqueurs quand même. Allez, let's go. Oh, c'est la première fois qu'on part en expédition comme ça aussi loin. C'est... Vous trouvez pas que c'est excitant? Ok. J'aurais préféré des pépettes au final, mais... Oh, raté. Ah ouais, d'accord. Vous occupez pas de moi, les gars, je... Ouais, ça les attire bien, quand même. Hein, quand on s'amuse à éclater un de leurs potes. Je vais quand même aller voir là-haut, s'il n'y a pas une petite, caisse. Pas du tout, ok. Donc nous c'est par là, on se le tente. Ah putain, il a raté. Ouah, je suis tellement trop ambitieux avec, avec ça. Ah mais je suis venu déjà, ah non, l'eau de gaz. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Oui, il y a moult trucs, trop bien. Ok, il n'y a rien. Coup de latte. Lame, parfait. Rouleau adhésif. Haut de gaz. Ce truc là, je pense qu'on va les... On va les démonter. On va se mettre à l'abri d'abord. Donc nous, on va par là. Ok. On passe pas par là. Salut les mecs. Alors, on approche d'une zone sécurisée inactive. Merde, elle était... Ah bah elle est là. Je suis à côté. Mais monte sur le toit du truc. Eh oui. Voilà. Donc c'est ici, j'imagine, la zone sécurité sécurisée inactive. Ouais, c'est ça. Je voulais juste voir pour démonter les tuyaux de gaz simple là qui servent à rien. Histoire de récupérer... Voilà, récupérer du matériel. Alors là, il va y avoir des mecs à... T, ok. Aïe! Oh putain, ils sont combien là? F, 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 F. Wow. Putain, mais ils sont combien dans cette zone de sécurité là? C'est H les soins, hein. Ouais. Mais ils sont tellement nombreux. Alors attendez. Bougez pas. Putain. On va faire ça. On va essayer d'être plus malin que les zombies. C'est chaud, hein. Putain, il est armé, lui, là-bas. Je savais pas qu'il pouvait être armé. Ok, lui, c'est fait. Next. Il est trop nombreux, là. Ok. Next. Il est mort? Putain, il est pas mort. Ok, je t'ai vu. Putain, mais ils rentrent par là, mais d'accord. Ils arrivent de l'extérieur, en fait. Mais vas-y, mais monte. Ok, j'avais pas compris qu'ils arrivaient de l'extérieur. Mais du coup, ça va être un puissant fait, là. Je peux pas la fermer, là. Je peux pas la fermer, la porte. Ah mais ils sont trop nombreux là. Comment je peux faire pour fermer la porte? Parce qu'ils vont pas arrêter de rentrer en fait. Y'a pas un truc à activer quelque part? Ok, ils sont partis.
Est-ce qu'il y a moyen de fermer la porte? Ouais. Ah putain, d'accord, j'ai compris. Yes, ok. Ça c'était chaud. Bon, en même temps, il faut que je comprenne comment ça marche. Donc là, la porte est fermée. Donc, est-ce qu'elle est activée la zone de sécurité? Ah, par contre, les corps. Ah, mais il y a quand même toujours les loot. Alcool et cigarettes, quoi. Ok. Et du coup, si je veux activer. J'ai l'impression qu'elle n'est pas active encore. Il doit falloir faire autre chose. Il va falloir faire une chose de plus. Mais je ne sais pas quoi. Alors. Ah, c'est là. Yes! Nouvelle zone sécurisée. Donc du coup, maintenant, j'ai une planque, c'est ça? Ouais, ok, nickel. Et j'ai quoi? J'ai un lit. Ok, parfait. Bon, c'est cool ça. Ensuite, on va aller faire celle-là. Et après, on arrivera là où on doit aller. Donc celle-là, elle est là-bas. Mais ça va être la nuit par contre, il faut que j'arrive à... Des fois, je rate les enchaînements de sauts. Là, il y a une pharmacie. Ok, 5$, c'est cool. C'est quoi le truc bleu? Je sais pas ce que c'est la flèche bleue là. Bah. Ok, vous êtes trop nombreux. Beaucoup trop nombreux. Monte. Alors, la zone sécurisée, c'est là, ok. Est-ce qu'il y a une porte à fermer ici aussi? Oh putain! Oh, t'es qui toi? Mais vas-y, dégage! Wouah! Est-ce qu'ils rentrent par quelque part, les mecs? Il m'a fait flipper! Elle m'a fait flipper! Attendez, je vais vérifier d'abord si... Il y a un truc à fermer quelque part. Non, c'est bon. Donc il faut que je me débarrasse de lui. Oh là, ça c'est fait. Ah oui, c'est là. Allez, allez. Oh, c'est stressant. Ok. Bon, déjà, il n'y a pas de nouveaux qui vont arriver. Ça, c'était bien. Hein. Le côté, je le tape, il va s'empaler sur le truc. Ah, j'ai bien aimé ça. Pouh. Tout va bien. Où est le... Parce que là, j'ai l'impression que la nuit va tomber. On n'a pas l'heure, quelque part. Et du coup, si la nuit tombe, je pense que je vais passer la nuit ici. Et hop, statue. Où est l'électricité? Ici. Oui, vas-y. On est ok. Yes! Ouais, la nuit tombe, donc on va passer la nuit ici. Et on finira cette quête la prochaine fois.
Pas la prochaine fois. Après que je sois allé me coucher dans mon lit. Faire passer la nuit. Bon, c'est cool, hein. Oh là là, j'ai chaud, là. Là, là, celle qui saute partout, là, elle m'a... C'est quoi, ça? Je sais pas. Ah, d'accord, c'est une sorte de mini-quête de récupération, quoi. Ok, je vois. Ok, ben on va... On peut pas dormir maintenant. Ok, faut que j'attende. Ouais, mais je sais pas si je peux aller jusqu'au... Ouais, le mec, il est quand même encore loin, hein. Ah, il y en a pas mal des zones. Oh, des champignons. Ah, voilà les fameuses plantes. Oh, mais dis donc, c'est assez grand. Ça, c'est quoi? Destination. Bah non. Mais pourquoi pas? Moi, je vais là, en fait. Est-ce que je me l'attaque de nuit, là? Ou est-ce que j'attends que le soleil se couche? Tiens, on a des points de compétences non utilisés. Puissance, très bien, ça me va ça. Plus de puissance. Qu'est-ce qu'on a? Ça c'est quoi? Votre coup a 10% de chance d'étourdir l'ennemi. Les ennemis étourdis sont beaucoup plus faciles à tuer. Appuyez sur E pour exécuter cette action. D'accord. Oui. Visez jusqu'à 3 ennemis avec des armes de lancer. Ouais, je m'en sers pas des armes de lancer pour l'instant, donc on va partir là-dessus. Qu'est-ce que... A priori j'ai pas appuyé au bon endroit. Ok. Parce que là, la nuit se couche et je me dis. Si je pars. Si le mec il est loin, ça va être tendu quand même. Parce que j'ai pas de. Je n'ai pas de. Je crois qu'à la limite, je ferai demi-tour et je reviendrai ici quoi. Quoi, faut passer là-dedans? Comment dire que... Encore moins, en fait. Je peux pas grimper, là. Moi, je passe pas par là, moi. Soyons clairs, hein. Ah, je suis obligé de passer par là. Bordel. Oh, bordel. Qu'est-ce que je fous dans un tunnel hein? Sur une map où il y a des zombies, il n'y a plus savoir quoi faire. Enfin. Oh mais c'est bon là oh. Ok, on continue. Ok, on est où là? Ok, on est juste à côté, il est sur la gauche. Calmez-vous. Ce que je sais pas, c'est est-ce qu'ils peuvent... Ok. Ce que je sais pas, c'est est-ce qu'ils peuvent nous sauter dessus? Yazi, t'es là? Non, ok. Ce que je sais pas, c'est est-ce qu'ils peuvent nous attaquer quand on est en train de grimper à un truc en fait. Si maman est pas contente, personne n'est content. Alors vaut mieux faire plaisir à maman. Ouais, grave. Gazi? Moi aussi, on a le même nom. Tu viens du vidéoclub? Je m'appelle Crane. Crane? Ouais. Crane, ça rime avec chaîne, traîne, graine, chaîne, traîne, graine, peine. C'est okay, un drôle de nom. Est-ce que je peux entrer? Non, c'est impossible. Pourquoi? Impossible. Pourquoi? C'est mon jour spécial avec maman. La fête des mères, c'est le jour le plus important du monde entier. Mmh. Est-ce que tu viens du vidéoclub? Pourquoi tu me demandes toujours ça? Tu dois m'apporter mon film, sur moi. Ça s'appelle Charlie. Et ça parle que de moi, et de mon intelligence. Gazi, si je t'apporte ton film, est-ce que tu me laisseras entrer? Bien sûr. Tu pourrais le regarder avec nous. C'est la fête des mères. Si maman est pas contente, personne n'est content. Et elle veut aussi des chocolats. Maman veut des chocolats. Oui, ça va, non, attends un peu, ça fait beaucoup. Coca aussi. Discute pas avec Gazi. Ça marche pas. C'est ce que disent les gens du magasin.
Ok, du chocolat et non mais il va faire nuit, je vais pas faire ça quoi. Ah ou alors il fait jour. Bon, j'en sais rien. Oh non, mais pourquoi je me suis embarqué là-dedans alors que j'ai la quête principale qui m'attend? Expliquez-moi pourquoi j'ai fait ça. Expliquez-moi pourquoi j'ai fait ça. Détendez-vous. Expliquez-moi pourquoi je... Activez piège lumineux. Ok. Job done. Excuse-moi. Voilà, pardon. J'adore ça. Aïe. Attendez, faut que je me mette... Qu'est-ce que je fous là? Un tuyau. Hop, ok. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Mais... Putain, mais... Voilà. Ok, donc... Calmons-nous. Ah, les champignons, tout ça, c'est par là. Ok. Il faut que je reparte de là. Accroche-toi à ça, non, mais non. Voilà. Ok. Ok. Ok, je suis pas du tout à l'abri ici. Ok. Nickel. Donc. Eh ben c'est pile devant moi. Il y a une voiture à fouiller là, non? Ok. Si, il y a plein de trucs à fouiller en fait. Ah mais c'est dans le bus. Vas-y, on tente. Vas-y, prends-le! Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ce qu'il y a? Ah non. Ah, oh, il y a des trucs dans les bus quand même. Hein. Ok. On se barre. Ah, oula! Par là. Hop là. C'est où donc? Juste en dessous. Le vidéo club, c'est là? Ok. Ok. Ah, y'a des flics zombies, dis donc. Ah, mais ils sont armés du coup. Ah, c'est quoi? C'est des zombies vaccinateurs de Covid. Ça commence à devenir tendax quand même. Ok, il m'a vu. Comment je rentre au vidéo club? Il faut que je crochette alors que j'ai des zombies au-dessus de la gueule, mais tout va bien quoi. Putain, pourquoi j'ai pas utilisé un... Faut que j'utilise un pétard, hein, parce que là, ça va pas le faire. Hein. Mais comment c'est chaud? En même temps, y a pas de zombies, là. Ok, on retente. Non. Nickel. Bordel de merde, pas maintenant. Oh putain. Charlie, la lettre C. Je l'ai. Ok. On se casse, vite. On se casse. Oh, j'ai peur. Mais monte! Activez le piège lumineux. Ok, ils s'en foutent. Ah, c'est ça! Oh putain, mais il y a des tarés qui courent! Au secours!
Mais mon dieu. Non, non, mais... Taisez-vous, en fait. Oh putain, il y a la zone sûre, là. Oh putain, la zone sûre. Vite, 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 vite. Oh my god. Quoi? Wouah, eh mais non quoi. Hors de question. Hors de question que je subisse ce stress. Hors de question. Ah non, non mais faut me donner un... Faut me donner un M16 et faut me donner un truc hein. Mais tellement au secours en fait. J'aimerais bien savoir quelle heure il est en fait. Est-ce que... Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir l'heure? Je crois qu'il y a moyen de voir l'heure dans le... Dans l'inventaire, il me semble. Non, j'ai pas vu ça. Non. Bon. Du coup... Il faut que j'aille là. C'est-à-dire là-bas. Pile là où il y avait la tarée, quoi. Vas-y, on se le tente. On fout, on est là pour jouer. Là. Mais ça me fait tellement flipper, quoi, ce jeu. Alors attendez, parce que... Voilà, j'ai réparé mon arme préférée. Salut. Je suis pas là, hein. Non, non, vous m'avez pas vu. Et des fois, j'ai réussi des sauts, je sais pas comment, et des fois, je les rate. Je comprends pas comment non plus. Salut. Yes, ça, ça passe. Ok, y'a rien à faire ici. Oh mais barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous qu'on domine. Eh ben vas-y prends-le. Ouais. Donc je peux pas monter sur le toit d'ici. Ok. Le pétard, comment je change de... Voilà, le pétard c'est là. Faites demi-tour pour de vrai les mecs. Putain, c'est par la lampe, ok. Et merde. C'est là, ok. Putain! Là, j'ai attiré toute la pampa, quoi. Je vais en dire des gros mots, je vous ai retiré. C'est tellement. Tellement stressant. Comment on rentre dans ce truc? Salut! Comment je rentre là-dedans, moi? Ouais, essaye de m'attraper. Ouais. Comment je rentre là-dedans, moi? Oui! Ok, ok, ok. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je dois aller là, moi. Là je veux bien aussi. Ouf. Ah, secours. Ok, c'est pas comme ça. Non plus. Non plus. Non. Ah, j'ai plus de crochet. Ok. On va construire des crochets. C'est où ça?
Non, c'est dans les plans. Pff, et je suis en stress, je vous en parle même pas, quoi. Ouais, on va en faire deux. Ok. Pff, et il va falloir que je me détende, hein, ce jeu, sinon je vais pas tenir longtemps. Hein. Yes. Ah, il y a du chocolat dedans. Du café. Et un tuyau simple. Ok. Donc. Ok. Mais c'est pas par là? Comment je rentre là-dedans du coup, moi? Par derrière, ça passe pas. Là, il y a des barreaux. Là, il y a des barreaux, là aussi, sur le toit j'y étais. La porte, j'ai essayé, ça marche pas. Là, y'a rien à faire. Ça, j'ai vu que ça s'ouvrait pas. Ok. Là, pas plus. Oh là, oh là, oh là, oh là. Aïe! Devant, j'ai rien vu non plus. Là où j'y suis allé. Je sais pas. Je... Mais lâche... Mais lâche-moi, bordel. Alors peut-être en allant sur le côté, là. C'est le seul côté que j'ai pas fait, c'est ça. Ok. Yes. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, donc le seul truc que j'ai pas fait, c'est ici. Je crois qu'il y en avait un qui était monté. Ici. Non. Eh, mais bordel. Par où on rentre, hein ? J'ai trouvé la boîte de chocolat pour sa mère. Mais y'a rien, hein. Ou alors il faut que j'ouvre le... Alors, il y a trop de monde là. Le feu me fait rien, heureusement. Faut que je soulève le rideau en fer. C'est une bonne question. Que ça, hein. Là, non, je peux pas rentrer. Hein. Vite fait, on va checker si. Non, non, il... Ah, si! Bordel, c'était ça. Je peux pas fermer. Bordel, je peux pas fermer. Bordel, il y a une meuf dedans. Je peux fermer là? Non. Oh bordel, je vais être coincé. Ok. Le chocolat. Le chocolat, bordel. Bon, barrez-vous. Je suis au bout de ma life. Ok. Je suis au bout de ma life.
Et prends-le, putain. Ah, c'est là. Oh putain, c'est là. Non, c'est du bac à blanc. Il est où le boîte de chocolat? Yes. Yes, 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 yes. Alors attendez. Faut qu'on retourne ici, hein. C'est ça? Je suis en stress, mais c'est une horreur. On se casse. Par là chez lui, hein. Putain, c'est pas par là. Ok, il y a les radiations par là. Ça va, détends-toi, détends-toi, détends-toi. Où est la zone sécurisée là? Juste là. Qu'est-ce que je fous là? Ok, pas du tout. Ok, je vois où je suis. Là. Non mais je vais pas tenir longtemps à ce jeu, moi je veux dire. Bon, on va aller chez lui, hein. Je pense que chez lui on est en sécurité de toute façon. On trace. Kit de son, ouais. Putain, j'en ai plus. Ouah, ils sont 200 000. Monte! Bordel. Ils sont 3 milliards! Au secours! Au secours! Barrez-vous, compte de mime! Ok. Bon, mais là, ça passe. J'ai pas besoin de crafter un kit de soins. Je suis arrivé. Yes! Oh mon dieu, ce jeu! J'ai failli mourir là! Vous comprenez pourquoi je joue jamais au film d'horreur, au film d'horreur, au jeu d'horreur. Je suis trop fragile pour jouer au jeu d'horreur. Mon dieu, au secours. Kit de soins, vas-y, 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 envoie. Oh mon dieu. Oh, libérez-moi. Comment ça fait 53 minutes? Je fais juste quête, hein, et puis rendez-vous au prochain épisode, je vais mourir, merci. Voilà, hey, ton film et tes chocolats. Allez, laisse-moi rentrer. Attends que maman voit ça. Gazi a encore gagné. Hourra pour Gazi. Oui, allez. Et laisse-moi rentrer. D'accord. Bon, je vais devoir passer par le toit. Et en plus de me faire flipper, ce jeu se fout de ma gueule, quoi. Il me fait faire 50 000 trucs, là, risquer ma vie. Pour me dire, bref, finalement, faut que tu passes par le toit. Hein. Ouais, ciao. Bisous. Non, mais c'est trop. Mais bien sûr, je vais devoir chercher le toit pendant 2 heures. Ah, ça marche pas. Quoi? Ok. On va essayer de se la jouer... depuis l'extérieur. Oh, mais vous êtes lourd. Vous êtes lourd. J'ai rien d'autre à vous dire. Vous êtes d'une lourdeur inavouable, quoi. Comment je peux moi aller sur le toit? Ok. Réfléchissons. Par là, à mon avis, je vais être trop con. On va tenter le coup, mais. Je pense que je vais être trop con. Oh, non, ça passe. Ok. Oh. S. Alors, qu'est-ce qu'on a? Du chocolat. Au secours. Tuyau. Ah putain, je me trompe. Tuyau d'eau. Café. Alors, le café, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le vendre. Mais ça va être énorme. Y'a rien d'autre sur le toit? Non.
Utiliser. Let's go. Récupérer le médicament. Ok. Je vais le dépouiller en plus de tout ce qu'il a, le pauvre bichon. Ok. Bonjour, Gazier. Le film a commencé. Maman regarde. World Best Boy. Secours. Let's go. Y'a rien d'autre à choper ici? Ok, ça c'est pour sortir. Ah, attends. Non mais je... Oh non non, c'est bon. Oula non, oula non, surtout pas. Surtout pas. Ok, là y'a rien de plus. Ah. Qu'est-ce qu'on a? Des culottes, non. On met du plastique, génial. Ok. Nice. Sortons d'ici. Il faut qu'on rentre. Le stade, zone sécurisée, boutique. Ah, mais on peut zoomer, Mobiane. Apporter le médicament à Léna. Ok. Eh bien. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Du lichen toxique. C'est quoi ce point d'exclamation? C'est quoi ce point d'exclamation? Quoi, c'est... Il faut que je parle à... Un machin? C'est ça le point d'exclamation? Est-ce que maman est contente? Maman est très contente. Kasi lui a donné des chocolats et un film. Dans ce cas, je vais te prendre quelques médicaments pour aider mon ami. D'accord. Maman ne fait plus de crise depuis que sa tête s'est transformée en citrouille. Ok. Ils sont sur la table. Merci, Kasi. Kasi rend tout le monde content. Bah oui. En fait, j'avais pas besoin de lui parler, mais c'était ça le point d'exclamation. Ok. D'ailleurs... Pas d'autre porte qui marche, non. N'empêche que, mine de rien, il survit, le minot, là. Allez, go. Voilà. Donc, nous, on va aller par là-bas. J'aime bien... perdre de la vie de manière complètement débile. Voir s'il n'y a pas d'autres trucs à... récupérer dans le coin. Je sais pas pourquoi j'ai le sentiment qu'il faut pas que je tombe dans la flotte. C'est peut-être... Ah, il y a un truc là. Il y a un truc là-dedans. Il y a un truc là-dedans. Et moi quand il y a un truc... Je vais voir. Parce que je suis un looter fou. Oh, y a moult trucs, trop bien. Trop bien. On va pouvoir fabriquer plein de choses. Plein de choses, on va fabriquer. Le... Bon, et... Le Bakaya. Mais, ah oui, il le mange direct, c'est-à-dire que s'il a plus de vie, enfin s'il a... Ne serait-ce que 2 PV en moins. Ah, j'ai... Planche de sol. Ok. Et pas plus ici. Quoi? Ok, ici. Corde, parfait. Oh, des champignons. J'ai failli passer à côté. Ah, ils vous râlez tout le temps là parce que je fais du scan tout le temps et que. Et que je loot tout le temps, mais mine de rien. Ça sert à quelque chose.
Oh, qu'est-ce que c'est que cette grosse caisse? Du café, quoi. Le café, sérieux, je sais pas ce qu'ils ont avec le café, là, mais... Les devs, ils ont kiffé le café, hein. Là, y'a rien, ok. Ça, c'est la porte, très bien. Là, il me semble avoir vu des escaliers, bonjour. Pourquoi tu t'accroupis? Encore un crochetage? Ah, j'ai bien fait de la fouiller cette maison. Non. Ah. Non. Non. Yes. Ok, pas plus. Pourquoi j'ai l'impression que je vais tomber sur une nouvelle surprise? Ok, non, ça va. Ça va, ça va. Le plastique encore, parfait. Et ça, c'est les portes qui sont en bas. On va voir sur le toit. Rien de plus, ok. Ah bon, on y va. Hein. Et là, j'ai déjà essayé de rentrer tout à l'heure. Où ce soit passé en crochetage. Non, c'est toujours pareil. Ok. Donc il faut qu'on y aille. On va repasser par ce tunnel maudit là. Oh, t'es en feu, mec. Ah, c'est horrible. C'est encore pire avec une lampe de poche. Putain, au secours. Dégage, 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 monte. Ok, pas. Il y a un gros fou. Il y a un grand malade. Ok, ça passe. Yes, de yes. Ok. J'ai envie de fouiller ce bar. Ça, je devrais pas. Je devrais pas, mais j'ai envie. Des thunes, parfait. Une porte, nickel. Un frigo. Yes, de l'alcool. De l'alva. C'est tout. Je suis tellement en stress, mais c'est... insoutenable. Je suis tellement fragile, moi, sur ce genre de jeu. Laisse tomber. Ok, ça, c'est la zone de sécurité. Non mais c'est pas à faire. En plus ces épisodes, je vous les enregistre en fin de soirée après avoir fait mes lives. Comment vous dire que c'est une mauvaise idée quoi. Ok. On doit aller. On doit aller. Ok, à droite. Go. Bah dis donc, je suis désolé, hein, ça aura pas été très... Ça aura pas été très, très, très funny cet épisode, mais franchement... Le jeu m'a mis en stress, un truc... Laisse tomber. Hein. Déjà, quand j'ai commencé à voir qu'il y avait des zombies qui sautaient partout, là... J'ai pas fait le malin. Mais alors là... Ok, il y a de la fouillance. Ah génial, du plastique, du bakaya, encore une lame. Super. Peut-être pouvoir... Qu'est-ce que je fais hein? Je vais peut-être pouvoir commencer à faire des trucs fun avec les lames là, faudra que je regarde les crafts que je peux faire maintenant. Ah. Pas mal de fouiller les maisons quand même. On commence à looter de plus en plus de trucs. Je me remets doucement là. Je vous rassure, tout va bien. Je suis en train de me remettre. J'en profite, hein, je fais du loot tranquille. Hein, je me détends quoi. L'alcool, c'est important. Ce sont pas les kits de soins. Des piles. Ouh, ça sent bon ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Content de pas tomber sur des
La corde, génial. Table électrique, top. Boîte de conserve, excellent. Oui, je suis content de pas tomber sur des zombies quand je fais ce genre de truc là, parce que alors là... Pff. Ok, donc là, il y a moyen de tomber sur des zombies. Oh, là, il y a du bon loot. Projetage difficile, voyons voir. Ah, putain. Et je me fais même peur en pétant mon crochet, quoi. Le jeu est en train de me rendre... Ouais, j'ai pas le niveau, je pense. Je vais y passer tous mes crochets alors que j'ai pas le niveau, c'est complètement con. Des piles, des pièces métalliques. À mon niveau, c'est déjà pas mal comme loot, quoi. Peut-être qu'il faut que je mette des points... Oh, des lames, génial. Faut que je mette des points dans le crochetage, je pense. Voilà, j'en ai plus de crochets, de toute façon. Ok, c'est nice. C'est nice, le loot. On aime le loot. Voilà. Ok, là ça monte à l'étage. C'est le même schéma que tout à l'heure. Ok, pas plus. J'ai même pas regardé s'il y avait un zombie avant de... Avant de fouiller, quoi. La gaz. Waouh, vas-y. Vas-y, le kit de soins. Paye ton kit de soins. Bonjour. Bonjour. Et pas plus. Ok. Ok. La terrasse. Quoi? Yes. Il faut que j'aille sur la terrasse. Pas moyen de monter. Oui. Bon là. Ok. Cool. Un peu de détente. Du café. Non, pas de café. Oh, une bourse. Cool. Par où il faut qu'on aille? Par là. Attendez, on va vérifier sur la map quand même pour... Ouais, c'est ça. Par là et un peu à gauche là-bas. Salut. Toute seule? Toute seule? Excusez-moi, je reste pas. Ça aurait été avec plaisir, mais... Je dois vous laisser. Avec regret, clairement. Mais, Ah, là, je suis chez le médecin, là. Ok. Yes, la zone safe. La tour est là. Ok, c'est nickel. Salut, 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 bonjour. Vous occupez pas de moi, bonjour. Oh, qui c'est qui est en train de parler là? Il m'a semblé... Ah, qu'est-ce qui se passe? En bas, il y a du bleu, du rouge. Qu'est-ce qui se passe? Et t'es où? Vous voulez? Faudra vous battre d'abord! Ces créatures infernales me poursuivaient.
Alors, je me suis caché dans la maison. Ok. Merci. T'en prie. Écoute, je ne savais pas que ce genre d'événement était possible, mais tu m'envoies ravi. Yes, les piles. J'ai l'impression que le loot est... Oula, de mieux en mieux. Ok. Crochet, yes. Ça fait plaisir, ça. Accroche-toi. Yes. Allez, on va rendre tout ça et puis on va... Hein, on va se détendre. On va se détendre tranquillement, là. C'est... Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Alors même là, il n'y a plus de stress. Il faut que je cours et tout. Mais au secours, quoi. Bon, cet épisode, il va s'appeler Au secours. Au secours. Ah. Au secours. Au secours. Allez, on va aller voir copine. Bon, il y a des points d'exclamation partout. Me dites pas que c'est le genre de jeu avec des quêtes secondaires tous les 10 mètres. Elle est où? Elle est là? Ouais. Non. Ah non, elle est plus bas. Pourquoi elle est plus bas? Ah, c'est là. Je vais enfin dans la SIGB. J'ai ton anti-épileptique. Voilà. Oh, merci. Comment ça s'est passé avec Gazi? Super galère. Un peu bizarre, mais c'est très bien obtenir ce qu'il veut. T'as rencontré sa mère? Ouais. Non, mais on se court. Elle avait l'air heureuse. Je veux parler plus de son émission. Maman est pas contente, personne est content. D'ailleurs, ouais, Breken m'a demandé de te passer ça. Avec ses remerciements. Bouah! Bouah! Bam! Ça valait le coup. Après, si c'est un jeu avec des quêtes secondaires, comme toujours, hein, il vaut mieux faire les quêtes secondaires avant, quoi. Avant de continuer l'histoire principale, ça permet de se stuffer, monter son niveau et tout, quoi. Vous avez une amélioration d'arme, sélectionnez une arme et appuyez sur F6 pour l'améliorer. Ok. Ben moi, je vais prendre mon arme que j'aime bien, là, niveau 39. Et appuyer sur F6 pour l'améliorer. Champion. C'est quoi, champion? Ah oui, d'accord. Bah, go. Ok. Confirmer amélioration. Ok, à vous de suivre la miniature. Oui. Ok. Objet de valeur. Donc, normalement, ça veut dire que je peux les vendre au mec, en fait. On verra ça. Compétent, je vous laisse, ça fait quoi 1h12 là, ouais, la VOD, ça suffit. Ça suffit, 1h12, on va juste mettre un point. Alors, le shuriken. Apprenez à fabriquer des shuriken avec 3 effets supplémentaires, givre, brûlure, explosion. Améliorer votre compétence de marchandage, réduit 10% le prix dans les boutiques. Encore le dilemme de la mort, quoi. Des shuriken. Des shurikens qui girent, qui brûlent et qui explosent. Mais bon, faut les fabriquer. Ou le marchand. Compliqué. Compliqué, compliqué, compliqué. J'en sais rien, en fait. J'en sais rien du tout. On va se garder ce choix. Shuriken ou marchand? Shuriken, arme à distance, ça me manque un petit peu quand même. Après, il faut quoi pour fabriquer des shuriken? Des lames. Et de la corde. Pour en produire 5. J'ai envie de tenter les shuriken. Du coup, voyons voir. Si j'en fabrique un, comment est-ce... Ah oui, oh! Ah oui, mais d'accord, et c'est beaucoup plus cher. Ah, ça pompe de la gaz. Ah ouais, d'accord. Vous voyez pourquoi il faut suivre les cours de chimie des shuriken qui assomment les ennemis, ça mérite quand même quelques coups de soir. Ah ouais, mais ça me pompe de la... Ça me pompe grave des ressources, quand même. La gaz, quoi... Pff, chaud, quoi. C'est une décision que je ne prendrai pas sur cet épisode, c'est pas possible, je suis trop stressé. Chers amis, je vous dis merci.
je vais aller souffrir dans un coin. Essayer de me remettre de ces émotions. Je vous dis à très vite. Je vous dis abonnement, like, cloche, commentaire, en fait, ce que vous voulez. Vous êtes libre, faites comme chez vous. Et puis, à très vite.